Cette année à Propulsion, chaque semaine, on va vous présenter des duels et vous allez voir que ça va être pas mal impressionnant. Et celui qu'on vous présente cette semaine, notre premier duel, c'en est un entre le Charger L4 et le NASCAR Pinty's, celui de Simon Dionvien. Donc déjà là, c'est impressionnant. Mais là, L4, il est pas mal impressionnant aussi parce que c'est une voiture qu'il faut pas mettre entre les mains de n'importe qui. D'abord, on parle de 707 chevaux. Ça, c'est la puissance d'à peu près 7800 micras. À peu près, oui, réunis, oui. Ouais, donc une voiture qui peut être très, très dangereuse, qui est très compétitive, extrêmement féroce, et on le compare au NASCAR. Simon Dionvien, c'est sa voiture. Carnado, c'est un spécialiste de la drift. Amusez-vous, vous allez voir qui va gagner le duel. Les plus observateurs ont reconnu le Dodge Charger Hellcat derrière moi. On l'a passé, c'est vrai, l'année dernière à propulsion, mais j'étais resté un petit peu sur mon appétit. Une machine comme ça de 707 chevaux, 650 livres de couple, ça se roule sur une piste de course. Et on va le faire avec Simon Dionvien et son fameux NASCAR. Simon, ça va être une belle journée en piste aujourd'hui. Penses-tu? Je pense que oui, moi. Là, j'ai amené une machine pour me gâter. Bien, t'as amené ta machine. Exactement. Moi, j'ai 6,5 livres par chevaux. T'en as 4,9. Tu roules en pneus slick, je roule en pneus de rue. T'as des freins de course, j'ai des freins de rue. Ça l'a un peu entaché mon optimisme pour te battre, mais une chose de sûre, une machine de plus que 700 chevaux, je manquerai jamais une occasion de brosser ça sur la piste. Parfait, je suis prêt. C'est parti. Bon, ben, je suis comme un petit gars aujourd'hui, pas compliqué. Dodge Charger Hellcat, c'est une machine que je rêvais de pouvoir conduire et piloter sur un circuit depuis quand même assez longtemps. C'est vraiment une fusée, c'est pas compliqué, là. Une grosse berline comme ça, confortable, qui vaut seulement, puis je le dis bien seulement, je pèse mes mots, autour de 80 000 $ pour ce que ça apporte. C'est absolument impressionnant. Simon qui vient d'apparaître dans les rétroviseurs. Et là, on va essayer de se donner un petit peu sur la piste pour voir si je peux lui tenir tête pendant quelques virages. Mais honnêtement, c'est tellement rapide un NASCAR, surtout avec les pneus slick. On entend, moi, que je suis rapidement à la limite des pneus de rue sur ma voiture. Monsieur. Bon, sur la ligne droite, ah non, il est collé derrière moi. Même en profitant au maximum de l'accélération. Écoute, lui, derrière moi, châssis tubulaire, à peine 3000 livres. Quand même, j'ai presque 1600 livres de plus que lui. Bienvenue dans mon habitat naturel. Vous allez pouvoir entendre le son du moteur. Je pense que c'est une particularité de ces voitures-là. Puis, les gens qui viennent voir aux courses aiment vraiment le son de ces véhicules-là. Voiture NASCAR de série Pinty's Canada, bien, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec ces véhicules-là? C'est des véhicules qui utilisent encore pour simplement bien technologie. Un moteur V8, un moteur Dodge, 372 pouces cubes, avec une alimentation en carburant par carburateur, un carburateur Harley 390 CFM. Il conduit quand même pas mal de véhicules de course. Ces véhicules-là, la première fois que je les ai conduits, j'ai vraiment eu un coup de foot. Voiture qui est vraiment, vraiment le fun à conduire. Un de mes sons préférés de tous les temps, c'est un supercharger, un twin screw comme ça, qui se lamente. Et vous allez vraiment l'entendre en accélération. Impressionnant le son qui sort de là. Un quart de mille en pneus de rue à 11 secondes, ce qui est monstrueusement rapide. 0 à 100, 3,8 secondes seulement. Bonne boîte automatique qui réagit extrêmement rapidement et qui permet aussi de rétrograder en manœuvre de freinage. Là où ça se gâte un peu, c'est le poids de l'ensemble. On est à 4560 livres. Donc, un petit peu lourd du nez, mais c'est quand même mieux que le Challenger, parce que le Charger a 100 livres de plus, et ce 100 livres-là, de la manière qui est réparti,
permet d'avoir un petit peu plus de traction. Donc, sur un quart de mille, on est quand même 0.2 secondes plus rapide avec le Charger. Les 707 chevaux, ils sont tous là. Je les ai comptés. Tout va très, très bien. 650 livres de coupe, c'est merveilleux. Et on a accès à beaucoup de programmations différentes. Moteur, transmission, suspension. Les gens rient beaucoup de la technologie américaine, mais dès 1960, le Charger Daytona avec un 426,5 avait brisé la barre des 200 000 à l'heure sur un circuit. Et là, avec le Hellcat, 204 000 à l'heure. Donc, on parle de 328 km/h que ça peut rouler facilement sur une piste. Immense frein de 15,4 pouces en arrière avec des étriers à 6 pistons. Un auto extraordinairement le fun, efficace. Et oui, c'est vrai que lors des premiers tours, le poids, je trouvais ça impressionnant. Je trouvais que la machine était quand même assez lourde. Mais après quelques tours, au lieu que le poids devienne dérangeant, on s'en sert de ce poids-là. Donc, je suis capable de lancer l'auto dans des longs dérapages. C'est tellement le fun. Et les sièges ont quand même un très, très bon maintien latéral. Des sièges de qualité quand même qui sont ventilés aussi. On a une voiture qui est bien faite, bien conçue. On peut mettre les suspensions en mode vraiment assez souple pour la rue ou en mode normal. On est capable de mettre la transmission, que les changements de vitesse se fassent véritablement en douceur. Et quand on se décide de choquer, quand les fils se touchent, le Hellcat est un monstre, rien de moins qu'un monstre. On a clairement établi une chose. Un Hellcat sur une piste, c'est une machine hyper amusante et agréable, mais c'est vraiment pas aussi rapide qu'un véhicule de la série NASCAR comme Simon a la chance de piloter à tous les week-ends de course. Mais il y a une chose qu'un Hellcat fait très, très, très bien et que le NASCAR peut-être pas aussi facile à faire. C'est d'allumer ça dans la boucane comme on vient de faire là. Et je pense que Simon a un spectacle quand même de qualité à l'arrière. Oh, 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 oh. Le Hellcat, est-ce qu'on aime ça? Oui, on aime ça. Eh, monsieur, la machine de guerre. OK, Simon, c'est peut-être moins vite que ton NASCAR, mais t'essaieras de faire ça avec ta machine. Belle journée. Ouais, un peu de brouillard par moment, mais je sais pas pourquoi. Hein. Ouais, c'est comme si le brouillard était localisé au niveau du sol devant toi. Ouais, mais écoute, ça sentait bon, fait que pas de problème, c'est un beau show en plus. Un très beau show, puis écoute, j'adore la série NASCAR Canada, ça c'est certain. Des bons pilotes, mais des excellents véhicules aussi. Puis ça a prouvé qu'en termes de tenue de route, freinage, ceux qui pensent qu'un stock car sont pas rapides, vous allez être surpris. Ben non, écoute, je te trouvais confiant un peu dans les discussions qu'on a eues précédemment, mais je pense que je t'ai prouvé que c'était des bagnoles qui étaient super rapides. Mais écoute, t'as sauvé le show pareil, là, avec le spectacle de drift que tu m'as donné, là. Honnêtement, je pense qu'un Hellcat, autant de plaisir que tu peux avoir avec un automobile à 80 000 $ de budget, c'est ça la machine pour avoir du fun. Ah, t'avais de l'air d'avoir du fun, c'est sûr. Je suis d'ailleurs prêt à recommencer. On repart-tu? Parfait, je suis prêt. Salut! Albi le géant. Plus de 20 concessions de véhicules neufs et d'occasion avec le plus grand choix de marques. Sur le web et en magasin, on vous attend.